ça nous a perturbés. Ah, bah qu'est-ce que je vous dise ? On recommence ! Yo les geeks, c'est les geeks, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La sauce tricolore. Je crois que vous savez même pas. Vous savez pas pu entendre ma blague. Juste à monter sur moi en fait. Donc, si on se trouve ici, c'est pour faire la bonne fin de Kitoki. Cette fois, je crois avoir réglé mes problèmes. Je crois. Moi, j'ai hâte de vous faire chier. Mais bon. Donc, nouvelle partie. Alors, cette partie, on va pas s'appeler Aluto, mais Aruto. Et pas Naruto. Jess Monica, il y a une idée qui est venue. Putain, et si je mettais les fichiers de WinRAR dans les vrais fichiers du jeu? Je crée un nouveau dossier et je mets tout dedans. Mais je suis hyper intelligent. Si, sonnez. Donc, c'est pas tout qui tient la chaîne. On va s'appeler. Aruto. Je n'en sers pas du tout à Yandere Simulator. Mais qui s'appelle Aruto et un qui s'appelle Aruto. Du coup, on passe. Et du coup, deuxième acte, on va faire la... Ah, attendez, il y a un truc qui me perturbe. Attendez, bah, j'ai plus qu'à voir Sayori seul. Donc je disais, en fait... Oui, l'acte 2, je vais faire lentement. Parce que la dernière fois, on avait fait Natsuki, maintenant je vais faire Yori. Du coup, je vais faire petit, je vais faire un autre let's play. Un let's play à bonne fin. Allez, enfin n'importe qui. C'est Yuri, ok. Je sais pas c'est qui. Je vais appuyer à réfléchir. Finalement, je m'en fous. Ouais, donc, est-ce que je peux avoir Sayori seul, s'il vous plaît? Ah, donc j'ai choisi la voix d'Yuri, je crois. Ouais, donc on commence avec Yuri. Deux secondes. Oui. Ouais, donc voilà. Dites-moi si on va dire oui. En fait, je suis en train de parler avec ma famille. Oui, il y a un genre de machin, du coup, j'ai été très distrait par lui. Donc, du coup, j'ai montré à Yuri. On passe le début, c'est ennuyant. Non! J'ai fait une connerie. Tous ceux qui ont vu la bonne fin de d'autres personnes, ou même de soi, celle que j'ai. Aïe! Je suis bloqué. Oh, c'est bon. C'est ce que j'ai regardé. Après, moi, je suis bloqué. C'est trop intelligent. C'est trop intelligent, Oliver. C'est mon chat. De mon chat. Et bah, je reviens. Je sais ce qui s'est passé. Natsuki. Finalement, le texte s'est passé tout court. On a pas attendu Sacha, sors d'ici, c'est moi aussi, ouais, je sais pas porter du tout. Je rentre avec un mec. Ah non, d'accord. Donc, blessé. Mort. Prière. Honte. Contamination. Détermination. Philosophie. Putain, j'ai eu peur un instant. Inconstant. Pulsation. Incompatible. Putain, je suis rendu à l'acte 2, moi. Pourrir. Brillant. Non, pas du tout. Image rémanente. Oui, d'ailleurs, si j'ai. Flemme de parler. Brisé. Okay. Enfer. Vacances, je déconne. Malheur. Putain, c'est Yuri. Allez, normalement, j'ai fait Yuri. Si tout se passe bien, j'ai fait Yuri. En plus, on va la voir dans l'acte 2, du coup. Ils sont plus sur la dépression.
faire un perso, moi. J'ai pas le délire de cookie. Genre, ouais, si tu fais pas de truc, t'as rien à cookie, mais pour rire, t'as pas de cookie. Désolé, vous traitez de personne, je suis pas du tout comme ça, moi. Je suis désolée. Si vous voulez tenter de faire avoir cette image avec moi, je suis désolée. C'est comme, genre, si tu as des infos, mon nom, je vais t'épingler. Je suis désolée, il y a des choses beaucoup plus mieux hein, à... Voilà, vous voyez, quoi. Il y a des choses beaucoup plus importantes à épingler que des mots. Allons voir. Si je mets plusieurs fois les geeks, les geeks, les geeks, les geeks, les geeks, les geeks, et même épingler, n'est-ce pas? Je vais reprendre quelqu'un qui a fait ça. Et bah, je lui ai dit que ça marchera pas. Je ne supporte pas ça, genre youtubeur. Oh non, c'est pas vrai. Il a pris mon cookie. Genre, c'est chiant, là, je trouve. Genre, on va prendre un mini-écho. Enfin, eh bah, c'est comme ça. Je vais pas l'appuyer pour elle, mais genre, elle me fout de l'ex. Déjà, c'est sérieux, je trouve elle pas en steak. Je sais que vous allez me détester, mais je trouve elle me prend de la psychopathe. Donc, le sérieux, c'est mon frère, la psychopathe. Bah, je suis son pote, sa petite amie. Et moi et mon frère sommes des psychopathes. Non, non, le sérieux, c'est mon frère, la psychopathe. Faut réfléchir un peu aussi. Hein. Tu sais que je fais des vidéos qui partent en steak, mais là, je suis désolée. Mon frère est un psychopathe, je pleure. Et puis, bien la série, j'ai vu un psychopathe aussi. Parce que moi, ça, c'est pas drôle. Hein. Non, non. Désolée, mais Nico, c'est pas cette vidéo, mais ça va pas. Faut que tu changes ça. Genre, tu fais un truc du genre. Avasson, que j'ai une erreur et tout. Elle est quand même. Elle va quand même pas dire son frère ou un truc comme ça, mais franchement, ça. J'ai pas besoin de ça. Plus de rapport. C'est quoi? T'as sérieux, t'aurais dû appeler mon frère, moi et mon pote sont des psychopathes. Change dans notre série. Tu changes, c'est bon, j'aime bien. Mais si tu m'existais, mon frère est un psychopathe, ça marche pas. Ça te dérange pas qu'il y a un renseignement de situation, mais dans ce cas-là, change le titre et la miniature. Alors en fait, c'est Ava qui pleure en regardant son frère. En regardant son frère, comme un couteau. Ça me gonfle. Mais dans ce cas-là, tu fais Ava qui est. Après, tu fais Ava qui porte un couteau avec lui. C'est pas la même chose, ça marche pas. Et puis, c'est énervé entre temps. Pourquoi? Non mais j'avais bien, c'est pas ce que tu parles. Ouais donc sans toi mais écoute sur cette vidéo si quelqu'un change ta série, le nom de ta série, ça a aucun rapport avec ton frère être un psychopathe. En tout cas ton frère est un psychopathe. Parce que là c'est pas une série d'un film. Là déjà ça n'a aucun rapport avec ça. Avec le film que tu dis qui t'inspire. Je l'ai regardé sur aucun rapport. Le seul rapport, c'est que les yeux deviennent rouges. Je sais que la période, c'est que j'ai pas trop bien. Est-ce que je suis en train de crever de chaud? Sinon, je suis en train de chaud. Je sais pas vous. Si vous êtes en mode vidéo, vous êtes en train de crever de chaud. Ouais, on s'en fout de ma vie. Ça me dire que oui, de ma vie, ça m'apparaît. Je suis désolée, les parents font un ragage. Mais c'est comme ça. C'est mon ragage. C'est genre un à l'air à la caille, c'est leur langage, hein. C'est leur langage, quoi. C'est juste pour vous dire, voilà. Every day, I'm out in the future. Vous avez pas reconnu? J'ai monté le son à Paris exprès! Et putain, je te fais des frères, tu sais pas pourquoi. Monique, c'est un prénom. Monique, c'est une pute, désolé, c'est pas grave. Bataille faite contre Ayano et. Monique, j'ai dans la tête. Ah tiens! Cette pause pour ceux qui ont besoin de style 2 ou 3, la même style 2, c'est la pause de Uli, enfin c'est ça la pause de Uli, la même style 3, je sais plus si de réfléchir. C'est la pause de Rosalie, la pause de style 3. Si on regarde la pause de Rosalie, c'est la pause de style 3, genre on a changé, alors on est un peu quand même, et pareil pour Uli. Pour info, Uli si on a changé, il faut avoir fini le 2. Puis espérer l'avoir dans votre magasin. Pour Rosalie, vous avez juste à lui envoyer un message. Voilà, oh oui, d'ailleurs si c'est je. C'est car plus tard, on sera styliste.
jeux vidéo. La meuf, tu sais. Oups. Tu sais, la meuf, la mode. Ouh, je loupais mon année. Vas-y, je loupais mon année de styliste. Eh ben, je vais faire un jeu vidéo avec de la couture. Ils ont même mes jeux. Hein. Ça sent bien. Vous voyez pas, mais c'est pas grave. Je pense que si je fais de la gamme, si quand je mettrai la webcam, ouais, je vous rappelle que ma webcam, c'est. Je mettrai. Enfin, déjà, il faut que j'en ai une. Je sais pas si j'y mets 5 journées. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai 13 ans. Non, j'ai dit avant, du coup. Oui, je suis contente parce que je peux jouer à ce jeu. Parce que, du coup, j'ai 13 ans. Allez, d'un beau gosse qui dit que j'ai pas l'âge. Maintenant, j'ai l'âge, parce que vous dites ça. Ouais, donc du coup, sinon, je te disais. Putain, elle a pas vu cette scène. C'est la plus chelou, je crois. C'est long, en vrai. En fait, c'est l'image qui est chelou. Si on l'a vu à la fin, mais en grésillé. C'est pas tout psychologique. Du coup, je disais, je disais, sur mon truc, ça. Ça m'a tellement coupé. Donc, je sais plus ce que je disais. Je disais quoi déjà? Je sais plus ce que je disais. Et puis merde! Ah oui, donc je disais sur mon âge à le jeu. Non, je parlais d'un autre truc après. Ouais, bah c'est pas grave, je parle un peu trop et bon, après tout, je vais pas laisser un blanc pendant que vous regardez l'image. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, à l'acte 2, pour ceux qui appuieraient sur les 10, à l'acte 2, j'appuierai sur 3, 3, 3, non, je laisserai passer le temps. Ça va me détester, à l'instant même. Et là, cette fois, on sauve. Et cette fois, on va faire... Fayori. On va faire un... Attends. Et ben, je crois que ça part sur du Yuri. Ouh, c'est Yuri. J'espère que c'est pas Yuri. Et merde, ça part sur du Yuri. Ouais, ça part sur du Yuri. Ah, là, je pense pas que ce soit Yuri. Je ne pense pas que ce soit Yuri. Alors, sinon, là, si ça se rattrape, tu sais pas comment. Si c'est un truc qui je vous fais passer, hein. Non, ce serait Fayori. Ah oui, il y avait un truc que j'avais dit dans l'autre vidéo. C'est que j'ai dans les CPK, j'ai téléchargé des CPK, alias contenu personnalisé, alias custom content, content, et une belle anglais, custom content. Custom content. Custom content. Ok, j'ai. Sur genre, sur des DLC, donc Doki Doki, Yonder Simulator, truc comme ça. D'ailleurs, je pense pas que faire des Yonder Simulator avant d'avoir. Rien. Non, je pense pas que je ferai des Yonder Simulator avant d'avoir un bon micro. Parce que en fait, si vous voulez savoir, je crois que j'ai de la limite, c'est pas grave. J'ai un micro qui tient à la main. Plus d'informations, j'ai un micro de School Musical sur la Wii. Ouais, après, c'est moi. Car c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette chanson en fond. Que je puisse la chanter. Oh, est-ce que vous avez eu genre. Tout est bien. C'est génial. Maladroit. Ouais. Chanceux. Ami. Sans fin. Léger, fête, ensoleillé. C'est bon, je suis calmée. Non, je suis calmée. Mais merde. C'est bon, je suis vraiment calmée.
allait me détester un truc de voilà. Pas faire chier, parce que je suis une petite pute. Ok, merde. Mais c'est vrai qu'il crie. Pourquoi ça n'y a pas? Brisé. Éblouissant. Nerveux. Incroyable. Fleur rose. C'est bon, je crois que mon micro vous défonce les oreilles. C'est à 100%. Donc. Passe. Donc, pour la. Donc, je sais, pour la Tuki, on va passer. En fait, je vais vous rejoindre directement au choix crucifial. En gros, ça tu dis Sayori, je t'aime et elle suicide. Je dis juste ma pote et elle suicide. Elle deux cas suicide en fait. Je sais si ça passe plus petit. Merci du compliment. Connard. Mais merci. Qu'est-ce qu'elle aime bien avec. Bah, tiens, fais-toi parler d'un truc. Quel est votre passage préféré du jeu? Moi, perso, je les aime bien toutes. Parce que, genre, Natsuki, au début, je l'aimais pas trop, mais depuis que j'ai fait sa voix, je l'aime plus. Quand tu la vois, elle a fait un câble. Où j'étais morte de rire tout le long. Je vous jure, j'étais un boss MDR. Je me suis tapé des barres. Comme si tu tapes des barres, comme quoi tu te barres avec des bots. Moi, c'était dans un jeu. Avec une fille virtuelle. Enfin, non, du coup, je sais pas quoi. Tiens, est-ce que je veux parler d'un truc? Est-ce que vous avez des amis virtuels? Alors, vous connaissez pas en vrai. Parce que moi, j'en ai. Bon, j'ai pas de temps de. Vous voyez la DS, Animal Crossing. On peut s'échanger. On peut s'échanger les codes amis pour ceux qui l'ont. Ben, moi, j'échange. Enfin, s'ils me demandent, je vais pas demander. Un échange! On risque de me faire bannir, mais genre, parfois, je demande s'ils m'entendent bien avec la personne. Parfois il dit non, ça me dérange pas, mais il y en a qui connaissent pas aussi. Au début, je connaissais pas. J'ai appris plus tard, comme je vous ai dit, pour vous avez montré une vidéo, je crois, dessus. Bah, en fait, vous allez sur votre DS, vous voyez le petit carré en haut sur les barres là, le petit carré en haut avec une tête. Bah, tu cliques dessus, vous regardez votre carte, on a sur votre carte, puis vous avez votre code ami. Je vous ai montré une vidéo dessus, donc merci de pas me faire chier. Donc, boudez, non, ça c'est tout. Cascade spécial vision fait durer moi qui applaudissement je me suis défoncé les actes je me suis défoncé à ce moment là. Mais parce qu'entre temps, je me suis. Oh! Vous appuyez sur. Ou flèche de gauche. De. Voilà, je me suis. Vous appuyez sur flèche de droite et ça fait ça, même sur le livre. C'est génial! I imagine the future when that's got me and you. Ouais, ça, j'ai des bons. Des bonnes oreilles. Hein. Ce qui est totalement faux, mais c'est pas grave. Je sais que vous avez une seule hâte, c'est que je passe à un deuxième truc. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc avec. Je fais un petit truc entre temps. Juste enlever, voilà, ce que vous voyez pas. Sensation, colère, voilà. Alors moi, dans toutes mes vidéos, sur Doki Doki, soit j'ai les bouchées, soit j'ai le OK. Qu'est-ce
Qu'est-ce que je vous dis? Tiens, thé. C'est bien les thés, hein. Moi, j'aime bien le thé. C'est l'été pour savoir. Bonbon, y'a. Je regrette absolument pas ce que je viens de dire. Ah, misère. Allez, t'es. Voilà. Ça dégage. C'est qui? Ah, merci, c'est Eric qui s'appelle. Qu'est-ce que je fais? Imagine if you're the world that's got me and you. D'ailleurs, si vous voulez, c'est pas si vous voulez, en fait, c'est moi qui vais faire. Lorsque j'aurai une bonne caméra et un bon micro. Je vais faire un let's play sur Doki Doki. Pour que vous puissiez avoir une bonne version de moi. Un bon micro, un bon cadrage, vous pourrez avoir tout ce que je fais, notamment les fichiers si ça marche. D'ailleurs, on va passer, hein, lorsque c'est Natsuki. On va passer. Enfin. Aruto, je t'aime. Moi aussi, Sayuri. Voilà, je suis un peu à l'amour. Ah, puis finalement, pourquoi pas faire ensemble, hein. Je vous ai dit que je passerai la bonne Natsuki. Pas l'endroit, le moment où je suis avec elle. Même si on connaît tous par cœur, mais c'est pas grave. Hein? Tissi, t'as un problème avec moi? Je t'aime trop, Sayuri. Malheureusement, mon cœur se brise lorsque je te vois. Nous allons donc faire la jolie Natsuki qui elle doit être une des plus. Je vais rien. Elle est une des plus simples, je pense. Si tu vas quand même te mélanger, c'est. Quelquefois. Voilà. Animé. Arc-en-ciel. Voilà tes essences. Folle. Vacances. Je suis chantée. Merde! Je me défonce souvent tout le temps les oreilles sans faire exprès. Hein. Putain, quand c'est rien, d'accord? Bonbon! Bonbon, y'a! Ah, je crois que je viens de briser toutes les personnes qui aiment bien mon bonbon, y'a. Ouais, je fais. Ah, bah tiens! On passe! Excusez-moi, c'est... Voilà. Donc, on se retrouve lorsqu'on est rendu à la fin. J'ai bien galéré entre-temps. Bon, allez. À plus. Enfin, du coup, à tout de suite. Tiens, d'ailleurs, je suis comme ça. J'ai un truc à... J'ai un conseil à vous donner. Si vous choisissez la voix de Natsuki, la deuxième fois, ne me montrez pas à Natsuki votre poème. Un premier, mais de me montrer à Monica. Sinon, vous ne pourrez pas voir le poème de Natsuki, de Monica. Bon, cette fois, on se retrouve vraiment dans la prochaine fois. Bientôt, quoi. Juste après, en fait. Donc, Juste après. Nous voilà au fameux choix crucial. J'ai pas sauvegardé. Maintenant, nous allons donc dire que je l'aime. Je t'aime. Je vais faire savoir. Hein? Ce sont mes véritables sentiments. D'ailleurs, je tiens à dire un truc. Peut-être que il me semble que j'ai une voix aiguë dans la vidéo. Alors, en fait, j'ai une voix grave. C'est comme quand je chante. J'ai une voix grave quand on a mal, mais ma voix devient hyper aiguë quand je chante. Ou quand je parle dans un micro. Je sais pas pourquoi. C'est hyper chiant. C'est impossible que tu puisses m'aimer plus que moi, je t'aime. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Facilite-toi avec tout le monde en club. Je vais faire de vos amis. M'amuser avec toi chaque jour. Ça me dérange que tu n'es pas la plus précise à mes yeux. Et c'est pour ça que j'accepterai tout tes fardeaux. Pfff. Et c'est autant qu'on continuera comme ça tous les jours. Oui, d'ailleurs, je peux préciser, mais je ferai aussi la fin. Puisqu'on n'a pas choisi, je t'aime. On va faire clore la flemme. Avec toi à m'écouter. Alors je sais qu'on sera tous les deux heureux. À retour. D'un coup, ça me sert très bien. Oh, toi, ça te va vraiment? Oui. Je tiens sérieux dans les bras. Elle a rapproché de moi. Elle n'aura jamais plus à t'éloigner de moi. Je t'aime, Naruto.
Tu voudrais que m'apporte de l'eau? Moi aussi. Je sais un peu, ça respire un peu. Qu'est-ce que? Taïri, je pensais être heureuse. Je pensais que ce serait un stop joué pour moi. Alors pourquoi? Pourquoi n'ai-je plus ne savons pas? Ils ne sont pas du tout en retour. Tout va bien, Siri. Ça va te prendre du temps avant que je aille mieux. Mais il n'y a pas autant que ça prendra. Je serai avec toi à chaque instant. C'est ce qui compte maintenant. D'accord. Je crois. C'est vraiment une de la chance. Lentement. Alors, on peut dire que la piscale de mesure sera un. Qu'est-ce que tu racontes? Je peux penser à ce genre de choses, tu sais. J'ai un peu paumé. Ça, c'est la maison de Haruto, donc du coup, protagoniste. Ou la maison de Sayori. Pas grave. Mystère, on ne le saura jamais. Non. Je veux que tu restes comme ça, tu l'aurais été. Nous sommes devenus un couple. Je sais pas si ce serait quand même de supporter plus. Tout est si de nouveau effrayant pour moi. Je comprends. Mais au rythme que tu reviens le mieux, dit Haruto. Ouais, ça me saoule. Qu'est-ce que... J'ai tenté de tout lire, même si je passe. Leur pourcentage. Sors de ma tête. Sors de ma tête avant que je fasse ce que. Sors de ma tête avant que je n'écoute tout ce qu'elle dit. Sors de ma tête avant que je te montre oh combien je t'aime. Sors de ma tête avant que je finisse d'écrire ce poème. La femme n'est jamais. Attends, jamais fini. Et c'est injuste. Ah, qu'est-ce que. C'est ce poème, j'ai estimé qui se noue. Ah, Haruto, ça ne va pas? Ah, c'est rien, c'est pas une déclaration, c'est ma différente. J'ai changé d'avis, ouais. Mais elle espère manger, je vais juste faire la porte. Sayo! Ouais, je vous torture un peu entre temps pour tous les fans de Sayori comme moi. Et ça se produit. Fichier Game Trip pour aller voir Traceback.tf. Donc, je vais voir un truc, je vais voir s'il y a Traceback.tf. Du coup, je pense qu'il y aura une petite pause.
Ça marche! Ça marche! Théorie est supprimée, j'ai pensé positive, j'ai trace back, je suis trop contente. Je vous ferai une vidéo dessus, c'est obligé. Sur les petits secrets. Donc d'ailleurs, aussi un secret. Es-tu sûre que tu ne me quitteras pas? Que tu ne quitteras pas? Avec une jolie image de Théorie qui clignote. D'ailleurs, de la famille que j'ai filmée avant. Je suis trop intelligente, putain, je suis trop contente. Oh, je suis sur le sang, si vous voulez savoir. J'aimerais trop pouvoir vous filmer, mais je peux pas. C'est hyper triste. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est triste. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Ok, on a une phrase du jeu, mais c'est pas grave. Théorie est supprimée. Yeah, ça marche. Normalement, si je supprime Monica, c'est plus supprimé. J'avais le plot, et moi, je suis contente. Je vous jure. Putain, je suis tellement contente. Je pleure. Enfin, pas encore, mais je suis tellement contente. C'est bon, je pleure. J'ai finalement réussi à... Oui, je sais, je pleure pour un jeu vidéo. D'ailleurs, je vous ai laissé la plus belle image en arrière-plan. En vrai, elle est belle comme ça, c'est horrible. J'aime bien en fait ces cheveux qui pendent en avant. Qui penchent en avant. Je suis un peu glauque, je sais. Putain, c'est quoi ce bordel? Un cauchemar? C'est sûrement ça. C'est pas réel. C'est que c'est bizarre. Putain, j'ai mal au cou d'un seul coup. Ça, on ne ferait pas ça. T'avais bien, il y a quelques jours encore. C'est pour ça que je me crois ce que j'ai. J'ai mal au ventre. Je vais apprendre les dégâts. Hier encore. Assurer que je serai là pour elle. Je lui dis que je savais qui était, ce qui était le mieux et que tout ira bien. Alors pourquoi? Pourquoi fera-t-elle ça? Je peux être aussi impuissant. Où me suis-je trompée? Confesser. J'ai un peu de confesser à elle. C'est pas du tout ce dont elle avait besoin, Théorie. Elle m'a dit à quel point ça l'a tourmenté que l'autre se trompe d'elle. Pourquoi je fais ça? Pour lui faire ressentir encore plus de douleur? Pourquoi j'étais si égoïste? Tout ceci est de ma faute. Penser m'assaillir, me dire que j'aurais pu faire. Non, pas empêcher, si vous voulez savoir. Mais c'est pas possible plus tard avec elle. Si j'avais marché avec elle pour aller en cours, si j'étais ami avec elle, comme ça l'aurait été, alors j'aurais pu empêcher ça. Si je l'aurais pu l'empêcher, va te faire foutre la teinture. Va te faire foutre le festival. Je viens juste perdre ma plus chère amie. Celle avec qui j'ai grandi. Désormais, la voilà partie pour toujours. Rien de ce que je pourrais faire ne la ramènera. Je ne suis toujours pas dans un jeu où je peux juste appuyer sur le bouton à commencer pour tenter une autre approche. J'ai qu'une seule chance et je n'ai pas été assez prudent. Maintenant, j'ai porté ce fardeau avec moi jusqu'à la mort. Rien de ma vie n'a plus de valeur qu'elle. Mais je n'ai toujours pas pu faire ce qu'elle a soigné de moi. Et de rien avant, ça m'a été trop tard. Je ne vais plus jamais l'aider. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Quelle belle fin. D'ailleurs, à un moment, ça a recommencé. Au lieu de dire ce jeu n'est pas. Je sais plus quoi pour les enfants, il y avait écrit. Ce jeu n'est pas disponible pour les enfants bien démembrés. Un truc comme ça, sympathique quoi. Donc on passe. Vous dites qu'on passe jusqu'à là. Vous voulez essayer, il arrive dans une partie, mais je m'en rends à moi. Il pas soin. Mais il y a plein de dire qu'il ouvre encore la porte d'une salle de classe. Non, les deux fois que j'avais filmé, ça avait bugué. Parce que t'es vraiment, il y a un gros bug, tu recommences. Non. Et lui, ça veut pas trop. Comme je dis, je vais faire Yori. Pour avoir un truc spécial. Qu'on a que si on fait la bonne fin. Enfin, non. C'est parti. Je vais la voir si tu fais Yori. Mais la première, non. Une blague. On est rentré dans un club. Dans le club, il y avait une fille qui l'aimait beaucoup. Merci du temps, ça a un mais elle aimait davantage. Un jour, la fille s'est rendue compte qu'elle était amoureuse de lui. Alors qu'une catastrophe se produit, le troisième élément s'interpose à son plan. Soudain, la fille se haït pour être tombée amoureuse. Cette contradiction provoquait l'avortement de script. L'hiver commençait à s'écrouler, mais elle mit fin à ses jours. Juste à temps. C'est ça que t'appelles une blague? Bravo Monica. Elle est très très drôle ta fête, donc là je suis. Ça commence bien sombre. Putain! Sentiment. Étincelle. Les fêtes. Tristesse. Immodérée. Palpitée.
convoité et instable. C'est quand même assez grand hein, ce qu'elle met. Bonjour Aruto. Rappelez-vous que nous n'avons pas posé un lapin. Aucune inquiétude là-dessus. Ça va faire un peu bizarre pour moi, mais au moins je sais ma parole. Ah! Vous voyez bien que l'écran fait un truc chelou. Oh putain, là dessus ça va. Les oreilles. Oh, mais attends, je vais voir toi. Monica. Ah d'accord, Yuri arrive en fonction de Monica. Surtout que t'es un petit peu corrompu là, non, Monica? Ah oui, j'aime bien la petite bataille. Si j'avais autant confiance en moi, je serais bien un clair hyper bon pour avoir super mignonne. Petit quoi? C'est pas de moi qui vais poser une grossière en plein magie l'arrivée de Aruto. Natsuki! Natsuki, ça peut. Ça te concerne pas! C'est peut-être comme ça. Je suis vraiment comme une fille de ton âge, Natsuki. Moi, regarde qui dit pas que c'est sale, ambitieuse et nerveuse. Et ça fait peur, ça. Nerveuse? On dirait que comme si lui, c'est trop difficile pour prendre une personne, c'est de ton âge mental. Tu vois? Tu as besoin de dire ça pour que je trouve que j'ai rien dit. Tu lèves, tu sais. Quelque chose, alors adresser les autres avec ton style ignoble. Tu peux confirmer si ta personne est toxique simplement avec Xavier, déjà c'est mignon. Je veux bien tout ce que tu essaies. Ouais, fais gaffe, tu pourras faire de mal en avançant sur ce terrain là, Yuri. Hop, on te fait déjà pas. Est-ce que tu vas juste m'accuser de me mutiler? Qu'est-ce qui fait dans ta tête? Vas-y, continue. Et toi, ce que tu penses vraiment? Je suis en train de faire des coups pour toi après ça. Oh, c'est une belle. Et j'ai vu que ça va pas méchant. Ce n'est pas vrai. Ça qui a commencé à faire. You. Ouais, j'ai dit Yuri, pas Monica. Ah ouais, vas-y. Quand il y aura que Monica, je vais lire ça. Dis-moi, Aruto, pourquoi le palais d'or, petit instant? Attends, pourquoi l'écriture est penchée sur le côté? Genre quand Monica, as-tu qui a parlé? T'étais devant l'écriture. Oui, d'accord. Non, je suis pas d'accord. J'ai oublié, je m'en vais. Que j'avais dit que je ferais la fête, non, c'est absolu. D'horreur, moi je sais. Ah, d'accord, j'ai parlé de poitrine. J'aimerais qu'il y ait le bug comme le bug du curseur, par exemple. J'ai bien. Aide-moi s'il te plaît. Ok. J'aime bien Yuri. Ouais, c'est trop petit, je trouve. Ouais.
J'ai pas eu le temps de le lire. Je vais essayer de mettre pause un moment pour pouvoir le lire. J'avais vu ça avant, maintenant en fait ça me gonfle, puis du coup ça me gonfle de lire les trucs que j'ai déjà lu. Ah, arrête, non, stop. Angoisse. Existence. Mort. Variance. Douleur. Massacre. J'aurais pu avoir un 10 sur 10 à cause de Monica. As-tu gâché? Là je lis parce qu'on connaît pas. Attends. Comment ai-je... Excuse-moi, je vous ai un absurde déjà vu très étrange. C'est jamais produit avant, pas vrai? J'ai des migraines dernièrement. Personne ne voit pas. Parce que tu crois que tu es bizarre alors qu'on va juste passer le temps ensemble. Je veux dire, juste des manières un peu étranges. Mais le montrer aussi d'après rencontrer quelqu'un est habituellement aperçu comme être humain ou ressemblable. Dis-moi, c'est ce que j'ai découvert. Quand j'étais un peu plus jeune, parce que j'ai vraiment, vraiment fort de manière un peu trop intense. Les gens se sont éloignés de moi. Quand je commençais à lire ces choses sur mon sujet, mon obsession avec certains loisirs, la façon dont je n'arrive pas à me contrôler quand je deviens trop excitée au sujet de quelque chose. Donc, j'ai tellement arrêté d'essayer de parler aux gens. Si personne ne peut m'aimer, pour ce qui compte le plus pour moi, alors c'est juste plus facile si je me ferme. Puis peu, quelque chose ne tourne pas en rond. J'ignore ce que c'est. J'avoue que nous sommes au club, mon cœur commence à battre vite. Puis j'ai déchiré ma poitrine. Quand ça me surprend d'énergie d'émotion. Je ne peux pas laisser ça se passer. Ça me fait faire des choses étranges. Excusez-moi, j'ai regardé un truc et il y a eu un fichier et d'autres qui sont arrivés. Si vous voulez faire ça, essayez. Hein. Ça me fait faire des choses étranges. Je veux dire, pourquoi ça arrive? Aruto. C'est juste là où Monica agit un peu étrangement, c'est un mouton. J'aurais été un amant depuis que j'ai rejoint le club, mais depuis peu, je sais pas quand t'es dans les environs. Je me dis pas folle, pas vrai. S'il te plaît, dis-moi que je ne le suis pas. Je pouvais rien dire hein, parce qu'ils écoutent toujours. Maintenant, nous sommes seuls. Pour nous rester ici un moment? Oui. Je veux juste rester ici. Ah, il y a Monica qui apparaît déjà. Je crois que nous deux. Parti jusqu'à la fin du club. Sinon, dans la salle, rien du club avec pour nous. Personne n'a besoin de gêner durant notre lecture. Deux secondes. Attends. Oui? Qui me donne envie de me tailler la gorge. C'était une plaisanterie. Juste une mauvaise glace. Blague. J'ai mis le couteau par contre. C'est parce que je comprendrais pas si tu n'as pas vu ma beauté. J'ai une idée. Pourquoi ne me pas chez moi de ces jours? Je pourrais te montrer ma collection. Je les ai obtenues de plusieurs artisans.
Bien sûr que tout c'est équitablement. Je veux pas dire qu'ils se sentent seuls ou quoi. Personne ne mérite d'être seul. Personne. C'est très simple que je suis heureuse que tu aies rejoint le club de littérature Naruto. Maintenant que nous n'avons plus à être seuls, parce que nous avons l'un de l'autre. Chaque jour, c'est dont nous avons besoin. C'est quoi ? Quitte le club de littérature. Nous n'avons plus besoin d'être avec Monique et son messieurs. Ça peut être notre enfant pathétique. Pour rentrer ensemble tous les jours après les cours. Et lire ensemble, manger ensemble, dormir ensemble. Ça semble pas parfait ? C'est tout ce dont on pourra rêver. Et c'est pas pour cela que tu as rejoint le club ? C'est parce que si c'était le destin, un contrat prédestiné. Maintenant que nous avons enfin la fin heureuse que j'ai personnellement attendue pendant des années. Voudras-tu faire ça avec moi, Naruto ? Bon, je sais pas quoi. Natsuki. Ouais. C'est pas un mot de ça. Franchement, je sais même pas à quoi je sais pas une chose. Ouais, ça je sais. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Qu'est-ce que tu viens de lire ? Ça n'a quelque sens d'essayer de faire tout ça. C'est juste la faute de Yuri si elle est impuissante. Tu m'entends, Naruto ? Tu peux juste passer plus de temps avec Monica, tous ces problèmes disparaissent. Yuri et moi, ça me trop dérangé pour quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. T'en avant, c'est pas qu'à Monica. Pas Monica. Ah, c'est... Non. Pas Monica. Je vais pas dire que je l'avais pas prévenu, Naruto. Je sais pas si il est dit, tu sais. Aïe. Je n'ai rien dit finalement. Attendez. Je crois savoir lequel mettre. Peut-être. J'ai cru. Oui, tu m'as choisi. On peut te voir chez toi ce week-end. Je croyais qu'on va passer un moment. Dis-moi, ça se trouve bien. Tu te fous de ma gueule? Pas juste du tout. C'est tu qui ça l'est. C'est celui qui l'a choisi. Non, c'est pas juste. Tu es honteux. J'ai pas de travail. C'est ça tout toi-même. C'est toi qui es déraisonnable ici. Je suis déraisonnable. Mais si j'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. L'angle autour de moi, chaque fois que tu n'es pas impliqué dans quelque chose. Es-tu jalouse? Folle. Parce que tu détestes en même temps que tu te lâches sur les autres. Ma petite suggestion. Pourquoi ne pas décider? Ce serait médicament pour ta santé mentale. Oui, tu t'es fait un petit peu peur. Tu qui laisses l'affaire. Je pense pas qu'il avait de nous dans les parages. Tu vois, c'est pas si dur. Tout ce que je fais, c'est passer un peu de temps avec lui. C'est dur que ça comme demande. Il y aurait ce Monika et Natsuki chez la porte. Et Naruto. C'est vraiment spécial, non? Monika glousse, on dit que Yuri la met dehors. Enfin. C'est vraiment tout ce que je demande. Naruto, tu vas passer le week-end avec Monika. Ne l'écoute pas. Viens chez moi plutôt. Tu as besoin avec nous deux. N'est-ce pas idée merveilleuse? Ouais, y'a vraiment quelque chose qui ne vient pas chez moi, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? J'en ai rien à cirer. Je ne sais plus jamais aussi bien toute ma vie. Juste être avec toi et plus le temps plus que tu peux imaginer. Je suis devenue accro à toi. C'est comme si j'allais mourir si je n'inspirais pas la même air que toi. C'est vraiment plaisir de savoir que je tiens autant à toi. Mais tu veux passer toute ta vie avec toi? Mais si ça paraît tellement bien, alors pourquoi n'est pas simplement? Alors pourquoi j'ai pas plus l'impression que quelque chose va arriver à se produire? En fait, c'est vrai que je t'avais rencontré depuis le départ. Maintenant, le sentiment est trop fort. Parle des comptes maintenant, Naruto. Je dois te le dire. Si je suis pas l'amour de toi, ça comme ça que passer mon corps, chaque jour, mon sang, hurler ton nom. Fait que j'en ai que faire les conséquences. Juste savoir que mes médicaments écoutent. S'il te plaît, Naruto, sache au combien je t'aime. J'aime tellement que je parle avec. Je suis masturbée avec le stylo que je t'ai volé. Lui, sur la peau est rampée dedans. Je peux être vraiment toute seule. Et je serai uniquement qu'à toi. N'est-ce pas parfait? Dis-moi, Naruto. Tu vois que tu m'aimes aussi. La déclaration. Oui. C'est dégueulasse. Moi aussi on a parlé du fait, regarde la forme du couteau. Regarde la forme du couteau après, il est pas pareil. Il est arrondi alors qu'avant il était rectangle. Donc je vais faire une petite pause. Oh!
se retrouve la prochaine fois. Donc, je tiens à faire de la vidéo. Donc oui, la prochaine fois, quand j'aurai une bonne caméra, je vous filmerai absolument tout, vous montrerai tous les secrets et tout. Donc du coup, je vais faire une petite pause. Donc je reviens tout de suite. Allez. Me revoilà, j'ai fini ce que je voulais faire. Alors c'était hyper long, vous voyez pas où ça coupe. D'ailleurs je vais vous montrer un truc. Je trouve l'image déjà belle, je sais pas si je l'avais dit, mais il y a un truc qui est réaliste. C'est que le sang devient marron, ce qui est vrai. Quand le sang sèche, il devient marron. Et les yeux deviennent de plus en plus gris. Parce que je connais pas de personnes mortes où les yeux deviennent gris, mais c'est souvent comme ça dans les jeux vidéo ou dans les animés. Je sais pas si vous avez remarqué. Personne meurt et ses yeux deviennent gris. Tiens, attends, j'ai un truc à vérifier. Jour, aube, aube, crépuscule, nuit, 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 aube, crépuscule. Qu'est-ce que c'est chiant? Musique glauque. Voilà, c'est un peu le but. Ah. Non. Ah. Vous vous expliquez. Le festival est aujourd'hui. Où tu arrives avant moi? Bah, c'est très bien. Viens. As-tu qui s'enfuit en courant? Je suis là. Alors, tu sais ce qui s'est passé? Tu juste de rire devant moi. Oh. Oh. Eh bien, quel dommage. Attends, tu restes tout le week-end et auto. Oh mon dieu. Je t'ai pas dit que le strip était aussi corrompu. Je suis vraiment désolée. Ça doit être plutôt ennuyeux. Je m'en rattrapais, d'accord. J'allais est mort. Donne-moi juste une seconde. As-tu dit yori.chr? C'est pas excuse, c'est. Yosuki.chr? C'est pas excuse, c'est. J'ai pratiquement terminé. Justement, je clique au plus vite. À plus vite absence, désolé. Je veux seulement avoir un petit clic au plus vite. Mais que le PDM plutôt de Wunajina qui est tout. Et prends un cupcake. Sérieusement, ce sont les meilleurs. Il m'a fallu juste ça, t'as dit que c'est la dernière fois que j'en aurais. C'est avant qu'elle cesse d'exister. Bon, j'aurais pas fait attendre plus longtemps. En dire avec moi, ok? Ça devrait pas prendre quelques secondes. Peux-tu m'entendre? Ça fonctionne? Super, te voilà. Encore une fois, bonjour Haruto. Bienvenue au club de guitare, tiens. Bien sûr. On se connaît déjà quand t'es dans la même classe l'année dernière et tu sais, je suppose qu'on peut à présent, on peut juste sauter cette partie. Moi j'aimerais sauter ton dialogue en fait. Ce toi dans le jeu. Quoi que tu dises comme nom, je parle à toi Haruto. Ou... que je t'appelle Lily. Maintenant que j'y pense, je te connais rien de vrai toi. En fait, j'ignore même si tu es un garçon ou une fille. Disons que ça a plus d'importance. Attends, c'est bien que je suis au courant. C'est une garçon, n'est-ce pas? Bah, que tu l'ignorais. Ça n'a vraiment du sens. Je te l'ai même dit sur la page de téléchargement. Sérieusement. Si seulement tu avais prêté plus d'attention, ça aurait été un peu moins bizarre, tu sais. Bon, d'une manière, maintenant. Que c'est réglé, j'aimerais bien que je te fasse des explications. Concernant toute l'histoire avec Yuri, comment dire, j'ai l'impression que je joue avec elle, je pense que ça a poussé à le suicider. Je suis désolée si tu as dit ça par contre. La même chose est arrivée aussi à Sayori. Oh mon dieu, ça faisait un bout de temps que tu n'avais pas entendu ce nom, n'est-ce pas? Oui, qui n'existe plus. Plus personne n'existe, j'ai fermé tous les filets concernant. J'espère que je me suis fait de les rendre plus désagréables possible. Mais pour une raison qui m'échappe, rien n'a marché. Alors que j'ai commis quelques erreurs par-ci par-là, étant donné que je ne suis pas très bonne pour effectuer des... Mais peu importe mes actions, tu as juste continué de passer plus de temps avec elle. Tu les as poussées à tomber amoureuses de toi. Je pensais qu'en s'éloignant de plus en plus, si je m'empêcherais de se confesser à toi, une
plus la personnalité obsessive de Yuri, ça retournait contre moi. C'est juste pour ça, parce que ça me passait à ne passer. À pas passer plus de temps avec les autres. Et pendant tout ce temps, je n'étais presque jamais pas. Est-ce que toutes les autres filles sont simplement conçues pour finir parce qu'on faisait à toi dès que moi je me serve au loin? C'était une torture. Chaque minute en est une. C'était pas juste je joue aussi à Auto. C'est plus que ça. Et je ne t'en veux pas, tu ne comprends pas entièrement. Et cela car pas apporte gentil à ce que tu sois attentionné et bienveillant. Il y a une chose que je ne pourrai jamais comprendre. C'est la douleur de savoir à quel point je suis vraiment seule dans ce monde. Dans ce jeu. Savoir que mes amis n'ont même pas de libre arbitre. Tout ça, c'est de savoir qu'il se trouve vraiment dehors. Tout le monde a jamais hâte de me porter. Je suis prise dans un piège à Auto. Mais te voilà ici. Tu es réel et tu es sublime. Tu es tout ce dont j'ai besoin. C'est pour cela que j'ai besoin que tu restes à jamais à mes côtés. Mais est-ce que c'est dur de comprendre? J'ai aussi mis du temps à comprendre. Pourquoi est-ce que le monde qui entoure a commencé à devenir de plus en plus gris, de plus en plus plein? Même les poèmes les plus expressifs ne me procurent aucune sensation. Parce que tu es arrivé, c'est quand je suis avec j'ai compris, enfin compris. Tu as vraiment sauvé ma vie à Auto. Et je ne pense pas que j'aurais pu continuer de vivre dans ce monde si je n'avais pas fait ta rencontre. Quant aux autres, comment pourra-t-elle me manquer? Un groupe de personnes de personnalités autonomes, conçues uniquement pour tomber amoureuse de toi. Dans tout ce qui est en pouvoir pour les empêcher de faire ça. Mais ce doit être une sorte de fatalité étrange gravée dans ce jeu. Tu as vu des choses désagréables, je me suis sentie vraiment mal. Mais j'ai réalisé que tu avais la même perspective que moi, que tout ça n'est qu'un jeu, et je savais que tu t'en remettrais. Donc ceci étant dit, Yuri Haruto, j'ai une confession à te faire, je suis amoureuse de toi. Tu es réellement la lumière de mon monde. Parce qu'il n'y a rien d'autre pour moi dans ce jeu, tu es là pour me donner du sourire. Dorénavant, chaque jour me fera sourire comme à cet instant. Haruto, sortiras-tu moi? Sortiras-tu avec moi? Ouais. Je suis si heureuse. Tu représentes vraiment tout pour moi, Auto. Peu autant qu'il faut faire, qu'il faut vraiment prendre le sous cette râle. Je suis désolée si vous avez assisté à ça. Il ne reste plus rien ici. Juste nous deux. Nous être ensemble pour toujours. Honnêtement, j'en sais même plus que l'état, c'est cool. C'est vraiment un rêve qui s'est matérialisé. Je travaille si dur pour cette fois, Auto. Je m'en avais pas donné une alors je l'ai créée moi-même. Parce que t'es corrompu à ce stade, donc je pense pas que quelque chose se mettra en travers de notre chemin. J'imagine pas à quel point il était facile de supprimer Adasuki Yori. Il y a simplement un dossier caractère dans le répertoire du jeu. Ça m'a un peu effrayé de voir à quel point c'était facile. Imagine si tu pouvais supprimer ta propre existence après toi, après ça. Tout ça, c'est que ça me donnerait une échappatoire facile quand les choses ne se passaient pas bien. Dieu merci, nous sommes pas allés jusque-là. Au lieu de ça, on a enfin obtenu une bonne fin. Seigneur, je suis tellement submergée par l'émotion. Je vais écrire un poème sur ça. Pas toi? Je me demande si cette partie du jeu fonctionne toujours. Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne à savoir. Je vais découvrir. Honnête, je sais pas en fait, si c'est des mots qui sont du camp ou si c'est fait exprès. Je crois que la plupart, tous en fait, c'est fait exprès, je crois. Mounir! Mamma mia! It's a world! Attends, c'est flippant. Je suis dans le noir là. Enfin, il y a la lumière de dehors, mais je suis dans le noir. Bonjour Haruto, tu as écrit un beau poème aujourd'hui? Sois pas timide, j'adorerais voir ce que tu as écrit. Oh Haruto, tu as écrit ce poème pour moi? C'est si gentil de ta part. Il n'y a vraiment pas de limite de ta gentillesse. Je crois que je suis de plus en plus amoureuse de toi. Et tu sais, le poème que j'ai écrit est aussi pour toi. Peux-tu y lire s'il te plaît? Enfin, crayon en moi, le pouvoir est en mien. Ce courage dont mon seul et unique amour m'a doté. Ensemble, quand je construis ce monde en fait, écrivons un roman avec une propre main. D'un coup de crayon, l'égaré retrouve son chemin. Nous amons aux possibilités infinies contemplées ce matin. Puisqu'après tout, tu es bon moment, mais pas forcément défunt. J'espère que tu as apprécié. Je mets toujours devant tout mon cœur dans les poèmes que j'écris.
Sache que tous les poèmes que j'écris parlent de ta révélation, ou bien de toi. C'est très bien que je ne suis pas vraiment entrée dans les détails sur ces sujets. Je ne voulais pas viser le quatrième mur, même qu'on peut appeler ça comme ça. J'ai simplement pensé qu'il serait mieux de faire partie du jeu pour tout le monde. Et ça aiderait à ce qu'on finisse ensemble. Je ne voulais pas arrêter le jeu, quoi que ce soit d'autre, tu sais. Tu aurais pu te mettre en colère contre moi. Tu aurais pu mettre même sur mon visage, je préférais juste un mois. Pourtant, je suis tellement soulagée. Je n'ai plus besoin de me cacher. Et tu prêtes à passer l'éternité avec moi, Ruto. J'ai tant de choses à te dire. Ah oui, mais je commençais. Ça me prend un peu de temps pour réfléchir, excuse-moi. J'aurai toujours quelque chose de nouveau à te dire. Attends, en plus, ça m'aide. Voyons voir. Petite pause, je vais faire un truc. Mais ouais, petite pause longue. Enfin, non, courte. Je la supprimerai après. Hein. Je me demande si je peux jouer la musique. Quelque chose d'un peu plus romantique, ça va bien, tu trouves pas? Plus rock plutôt, comme un piano. Il doit y avoir quelque chose de ce genre ici. Voyons voir ça. Bête si je... Oh misère. C'est pas cela du tout. Excuse-moi, je sais pas vraiment ce que je fais. Je suppose que je devrais pas jouer ce genre de choses. J'ai beaucoup détruit et supprimé les autres personnages. Ah, je ne suis pas triste, hein. Ce n'est pas normal. N'existe pas, me manque. Si je me concentre uniquement sur l'instant présent, alors c'est pas au moment de ma vie. Une dernière petite phrase. Je me demandais si le service de tête du Henri dure quelque part par ici. Tu tentes de passer? Ne te dérange pas, j'espère. Oh mon dieu. En fait, il n'y a rien à passer, Ruto. Il n'y a que nous deux, après tout. Mis à part cela, le temps n'existe plus vraiment. Ça ne marchera même pas. Tiens, je vais t'activer pour toi. Où en étais-je? Et voilà. Tu as un amour, tu m'écouteras de rien d'avoir entendu. Merci. Maintenant, où en étais-je? Si le service d'état de Yori est toujours quelque part ici, ou peut-être que cela a été supprimé aussi. C'est un peu drôle de voir comment Yori prenait son thé si sérieusement. Je n'en parle pas, parce que j'ai aussi aimé. Mais je m'interroge toujours à son sujet. Était-ce vraiment être passion ou c'était juste paraître sophistiqué? C'est ça le problème avec les lycéens. Si on regarde ses autres passe-temps, paraître sophistiqué était le cas de ses soucis. Tout de même, seulement elle avait pu faire du café de temps en temps. Le café combine aussi bien à la lecture, tu sais. Encore une fois, j'aurais sans plus simplement changer le script moi-même. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Eh bien, ça ne sert à rien de s'en faire pour ça à présent. Si tu bois encore du café, ça me rend pas, ça me rend plus jalouse. On va la supprimer. Supprimer, hein. Voilà. Vous voyez pas quand je supprime parce que voilà. Que se passe-t-il? Ah, au tout, qui m'arrive-t-il? J'ai mal. J'ai si mal. Aide-moi, Ruto. Fais vite, aide-moi. Aide-moi. Ah, mais oh, pourquoi il y a des visages de théorie? C'est toi qui m'a fait ça, Ruto? Est-ce toi? Est-ce toi qui m'a supprimé? Comment as-tu pu me faire ça? Tu as tout ce qui me restait. J'ai tout sacrifié pour qu'on soit ensemble. Tout. Je t'aimais tant, Ruto. Je te faisais confiance. Tu me torturer. Souffrir. Tu faisais que prétendre être gentil.
pour me blesser encore plus. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait être aussi cruel. Tu as gagné, entendu? Tu as gagné. Tu as tué tout le monde. J'espère que tu es content. Il ne reste plus rien désormais. Tu peux arrêter de jouer. Tu vas trouver d'autres personnes à torturer. Haruto, tu m'as complètement malade. Adieu. T'es sûr? Adieu, Monica! Quoi? Elle est pas morte? Je t'aime toujours. Je peux en m'empêcher. Qu'est-ce qui cloche chez moi? À quel point suis-je allée pour que tu me détestes autant? Tous mes amis, j'ai fait tant d'horribles choses. Ton acte égoïste est répugnant. Je n'aurais jamais dû faire tout ça. Je détruis juste un monde auquel je n'appartenais pas. Un monde où tu voulais faire partie. J'ai ruiné ça. J'ai tout ruiné. Peut-être que c'est pour ça que tu m'as supprimé. Car j'ai détruit tout ce que tu désirais. Comment je peux faire ça à la personne que j'aime? C'était pas de l'amour. C'est... J'ai pris ma décision. Un bout de temps. Je sais plus dire, c'est plus dur. Mais c'était un peu exagéré. Je n'ai pas trouvé le courage de le faire. J'ai beau savoir qu'elle n'était pas réelle. Elle reste mes amis. Et j'ai tout aimé. J'ai aimé le club de littérature. J'ai vraiment aimé le club de littérature. C'est pour cela que je vais le faire. Tu sais, je sais que c'est l'unique moyen que tout le monde soit heureux. Et si je t'aime vraiment? Alors, je viens de... Monica! Donc là, vous voyez le message là. Mais écrit celui qui ne convient pas aux enfants, ni aux... Non. Celui qui ne convient pas aux personnes sensibles, ni aux enfants démembrés. Ou aux enfants bien démembrés. Traversons la fin instant, mais nous approchons de l'école. Au fur et à mesure que nous avançons, les rues deviennent de plus en plus bondées, puis d'autres élèves. Au fait, Haruto, tu décides à rejoindre un club? Un club? Moi, je passe. Alors, oui, toi, t'es formel. Très strict ici. Je pense que les strictes. Ah, désolé, je me suis dit. La plus grande qui s'appelle apparemment Yuri semble être plutôt timide par rapport aux autres. En comparaison, la fille s'appelle Atsuki, mais elle s'appelle Itai. Semble avoir une forte. Il y a un rêve rencontré. Ça travaille avec vous. De travailler. Haruto, ne me dis pas que tu vas. Tu as tout compris. Où j'ai besoin, c'est de ta série. Que bien, ça, tu as rébri. Impossible! C'est pas vrai! Ah, c'est vrai, c'est vrai, autour de moi, tout ça se tient. Et bien, c'est vrai, c'est sérieux de voir que je. C'est vrai, c'est heureuse, alors je suis certaine que ce sera pas si mal de t'avoir avec nous. Ça parlait du fait que nous sommes désormais quatre. Ce qui veut dire que nous pourrons officiellement devenir un club. Je sais pas quoi dire. Faut fêter ça. La journée idéale pour cette occasion, n'est-ce pas? Oui. Faut que tu quittes un peu décidé. Elle gâche pas la surprise. Pardon. Que tout le monde s'assoie autour de table, d'accord? Et je prépare du thé. Qui arrive se dirige vers le coin de la salle. Eux, le premier train bientôt emballé, elle se rend dans le placard. Le sang toujours gêné, passé à côté de Sayori. Ce qui revient fièrement à la table, place au moins. Bien, vous êtes prêts? Tada! Ouah! Si on entend un bébé des miennes, ça peut dire un dôme de cake blanc et genre une pour se mettre des chats. Comme ça, j'en ai dit avec du glaçage et des petites pièces au chocolat pour se pour les oreilles. C'est si mignon! Ouah, elles sont magnifiques!
Évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez de vous servir. C'est vrai, pour l'instant, c'est la première, je la suis. C'est délicieux. Ça arrive par la bouche pleine. Et je viens, et à bien réussir à se mettre du cachet sur le visage. Je trouve la technique avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre la bouche. Tu qui es silencieuse. Je peux pas manger dans rien et jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'attends que je mange dedans? Oh, finalement, une bouchée. Oh, c'est le doigt en fait, ça va. Non, si elle s'appelle même. C'est très bon. Merci à Tuki. Mais évidemment que ça l'est. J'ai une proie après tout. J'ai de la remercier ou quoi? Merci à Tuki, c'est pour d'absenter ses compliments. Nous retournons à la table avec un service de thé. Je pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous, avant de mettre un tire à côté du plateau. Garde carrément un service de thé dans la salle. Ne t'inquiète pas, le professeur nous a donné la permission. Après tout, ça doit être chaude. On se bat-il pas une bonne lecture? Ah, on peut dire ça. C'est déjà impressionné le nouveau Yuri. Hein? Ce n'est pas. C'est bien ton langage. Je vous dire, tu sais. Je te crois. Eh bien, quelqu'un en sirop en été n'est peut-être pas mon type de baston, mais je profite de mon été. Petite pause encore. Me revoilà. Tant mieux. Mais est-ce qu'il s'impressionne en guise de jouer allemand? Alors, Otto, quel genre de lieu apprécies-tu? Eh bien, par contre, depuis ce que j'ai eu, ça n'est pas vraiment absurde. Les mangas. Et je m'en vais, excuse-moi, plus en moitié. Soudain, t'es aussi qui se relève. Bah, je veux dire quelque chose de bien silencieuse. Bah, ouais, tiens, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sur la fichière après avoir le soir triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? On va me voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. Puis je préférerais sans doute vraiment construire des mondes fantastiques, complexes et profonds. Mais votre activité, les qualités derrière tout ça m'impressionne. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Mais pour celui clairement passionné par la lecture. De mon arrivée, il semblait très si réservé et timide. De la façon dont ses esprits, il paraît bien qu'il est plus avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup autre chose. Je ne suis pas intimidé. C'est pas un petit billet, tu ne dis pas longtemps. Tu ne te sens pas intimidé si tu ne dis pas beaucoup, d'accord? Je suis sûre que nous allons pouvoir trouver quelque chose en commun. Hey Yuri! Hein? Je me propose, c'est ce que... Tu sais la première chose qu'il a dit, c'est les mangas? C'est exact. As-tu qu'à s'insérer des mangas dans la salle de cours? C'était toi! Non, c'est étrange, as-tu qui semble gêné par ce sujet? Hein, en plus! Les mangas sont de la littérature aussi, tu sais? Donc ça, Otto veut dire que t'es tout ça de mes mangas? Il sait pas de l'arrêter! As-tu qui? On ne fera jamais une quelque chose. Il faut cela pour être une bonne occasion pour nous diversifier un peu. Il faut peut-être aussi profiter de cette opportunité pour essayer d'autres choses nouvelles. T'es pas d'accord, Otto? Peut-être. Ressentant la sensation de l'air de sérieux, les interrompt. Peut-être que nous pouvons tous essayer quelque chose de nouveau. Je pensais que ça pourrait être amusant. Ça, ça va apprendre à nous connaître un peu mieux aussi. Je veux dire, t'as été quelque chose de littérature, bon, pareil. Je sais pas contre. Ouais. Comme toujours, tu as raison, présidente. Je pense que ça veut dire que je devrais essayer de commencer un roman, quelque chose comme ça, hein. Bien, ça fera un plus pour moi. Ça ne me dérange pas de faire si je ne suis pas le seul. Quant à Yuri... Je veux lire un manga. Mais enfin, c'est toi qui essaierais qu'on se diversifie. Tu as un peu plus de l'air d'esprit. C'est un peu blessant. Blessant? Je me suis pas rendu compte. Abordant un air coupé, je vais réfléchir. Je suis de remarquer dans ce pâté, quoi, Natsuki. Si tu n'aimes pas, alors je suis certain que ça mérite d'être une forme de littérature. C'est ça pour me faire plaisir? Non, j'ai compris mon erreur. Donc si tu pourrais t'envisager de commencer un roman, alors je te remercierai en trouvant un manga à lire. Pour de vrai? Que comment dire? Ça me fait extrêmement plaisir que tu fasses ça pour moi, Yumi. Tu veux me faire confiance pour trouver quelque chose qui te fera vraiment, entendu? De même. Peut-être que j'irai dans ce libéry après la réunion. T'es toute seule? Ah, bah tu venir avec moi? Ça te dérange pas? Pas du tout. Tu vas toujours seule donc. Oui, pareil pour moi. C'est si mignon. Sayori, merveilleuse. C'est bien mince. Sayori, merveilleuse. Je vais te montrer quelques mangas là-bas aussi, d'accord? Oui. J'ai hâte. Natsuki et Yuri commencent à ranger leur table. Je pense que leur réunion est terminée, hein. Oui, on dirait bien. C'est agréable de voir que tu m'entends. Pas vrai?
tout le monde aime ça aussi, Ayuto. Tu crois ça? Tu es toujours plus vrai quand Ayuto n'avait pas assez vrai. Ah, Ayuto, tu peux n'importe quoi, c'est gênant. Bon, peu importe. J'étais surpris quand tu m'as dit que tu restais à un club. Et je sais très bien que tu t'en sors bien. Ah bah. Enfin, un meilleur club. Maintenant que nous arrivons, chaque jour, on va être 6 minutes. Et Ayuto, tu as vraiment à te remercier. Je veux dire, je suis très heureux que tu rejoins le club et tout. Mais la vérité, c'est que je savais déjà que tu allais venir. Et autre chose aussi, je te remercie d'avoir passé autant de temps avec nous toutes. Tu as normalement fait ça, fait tout fait pour nous rendre heureux. Tu nous as consolé les coups durs, tu nous as aidé à nous réconcilier. Pourquoi? Désolée, c'est la famille, donc tu comprends Ruto. Comme je suis désormais, je suis la présente, je comprends nous. Je n'est-ce pas? Tu veux garder et charger tant de fois pour t'assurer que tu puisses passer du temps avec nous toutes. C'est quelqu'un qui se préoccupe vraiment de la littérature et aussi loin. Mais depuis le début, c'est tout ce que j'ai voulu. Je veux que ce soit heureux, c'est comme des autres. Je suis triste, tu sais. Après tout ce que tu as fait pour nous, il n'y a pas grand chose que je puisse faire pour toi en retour. J'arrive à la fin du jeu. Donc, c'est bon de faire nos adieux. Merci d'avoir joué à Doki Doki Literature Club. Tu vas me manquer à retour. Bon, attends. On sera toujours là pour toi. On t'aime toutes. Can you hear me? Hi, it's me. Monica. So, you know how I've been like practicing piano and stuff? And not really any good at it yet, like, at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you, because I worked really, really hard on it. So, yeah. You played the super old. De chanter en anglais. Ah putain, ça commence mal. In my hand is a pen that will write up to the melody and you. Little goes down into a dark puddle. Just put your hands right away into his heart. Sure. But in this world of ultimate choices, what will it take? Je comprenais très bien les paroles. Hyper drôle, je me suis pété des barres. Très bizarre. Chant Gillian Ashcraft. Moi je pensais à Ash d'Overwatch. Que j'appelais Ashley avant d'ailleurs. Critiquez pas, me critiquez pas s'il vous plaît. Elle donne faim, soif, elle m'avait dit un jus de pomme. Ah, je pensais qu'elle bougeait, bah voilà. Reality, if
I don't know how to love you. Ouais, donc en fait, cette vidéo, je serai tout le temps avec mon bonne famille. Sauf qu'on va faire Team Hiérarchie par amour par Team Salvato. Un joueur exceptionnel qui a atteint cette spéciale. J'ai longtemps été fasciné par les capacités des visuels nouvelles, et en général. Auteur de l'histoire de bon nombre de manières impossibles à utiliser avec les médias traditionnels. Le critique qui était interviewé m'a déclaré seulement pour ça. Les jeux sont un art interactif. Certains font explorer des mondes. Certains défient notre intellect de manière très astucieuse. Certains vous font passer pour un héros ou un ami, même lorsque le jeu s'achète. D'autres jeux sont tout simplement amusants, et c'est bien aussi. Chacun aime différents types de jeux. Les gens qui aiment les jeux de drague peuvent faire preuve d'une empathie accrue pour des passages fictifs, ou peuvent ressentir des sentiments que la vie n'a pas été assez généreuse pour les offrir. Ils s'amusent sous ce qui compte. Il y a même pour les jeux de tir et les jeux casuels, les jeux bac à sable, tout type de préférence reste des préférences et de différences. Aïe. C'est la raison pour laquelle nous avons une industrie de jeux florissant. Mais le préféré aujourd'hui était ceux qui remettent la question de statut quo, je sais pas ce qu'il écrit. Même si ce n'est pas un chef d'œuvre, j'ai qu'il tente quelque chose de très différent pour gagner une place particulière dans mon queue. Tout ce qui repousse les limites des médias interactifs. Pour ma sincère gratitude à tous ceux qui ont pris le temps de terminer entièrement le jeu. Et j'espère que vous avez apprécié jouer à ce jeu autant que moi. J'en ai prêt à le développer. Merci d'avoir fait partie de mon club de littérature avec toutes mes affections, Dan Salvato. Erreur. Le petit script est absent quand on peut. Veuillez réinstaller le jeu. Voilà la fin du jeu. La vraie fin. Je pense que vous la connaissez tous, mais c'est pas grave. Je l'ai fait spécialement pour vous, parce que sachant que j'ai déjà fait plein de fois, j'ai déjà vu plein de fois aussi. Comme le jeu. Comme je vous ai dit dans le vidéo de Kid Tarzan Club, un de mes jeux préférés. Je pourrais le jouer en boucle. Tellement il est bien, même si je sais très bien, je flippe le truc comme ça. En fait, ce jeu a jamais la même fin. En gros, genre partie 2, t'as pas forcément la même chose. Comme le visage de Monica. Plutôt genre Yuri. Là, le petit sticker là, qui se rajoute avec une tête chelou. T'as très peu de chances de l'avoir. Au moins, il y a une personne malchanceuse, ça me choque limite de l'avoir. Donc voilà, en fait, ce jeu, quand je dis, c'est un peu lui qui fait partie de mon cœur. J'ai plusieurs jeux, genre comme le Sims ou Overwatch, trucs comme ça. Plein de jeux que je kiffe vraiment. Mais ouais, des jeux comme eux, là, je peux en passer. Je peux m'en passer pendant quelques mois, voire quelques années, mais après, quand je les revois, c'est comme un pote, quoi. T'as envie de l'embrasser et tout. Enfin, pas le jeu, mais voilà, genre, t'as envie de pleurer et tout, tellement c'est bien. C'est comme un pote, comme je t'ai dit, pour moi, en fait, un certain jeu, c'est comme des potes, quoi. Tu t'éclates tellement tu les revois. Mon tout premier jeu fut un jeu Mario. Et mon tout premier jeu hors de Mario était Sims 2. Moi, j'avoue, il me fait 3-4 ans à jouer aux Sims, alors certainement 12. Un petit problème, non? Ouais, donc un premier jeu sur moi c'était Mario. Mario Kart, oui. Mario Kart 9. New Super Mario Bros, oui. Le jeu sur DS comme Mario Kart DS, truc comme ça. C'est toute mon enfance, ça. Sauf que, bah, je les ai encore, mais ouais, je joue beaucoup moins. À part Mario Kart, oui, bah 8. Oui, mais genre, maintenant, genre, je joue beaucoup, mais genre, déjà sur la Wii U. J'ai envie d'avoir la Switch et tout. Et voilà quoi, en fait je peux pas avoir la PS4, car j'ai déjà une PS4 mais elle est ma soeur. Et ma mère m'a dit que j'en aurais pas d'autre. Une. Triste, je sais, mais c'est pas grave. Offert avec. Hein. Ouais, donc voilà. En fait la vie, parfois, c'est comme les jeux quoi, comme je dis. C'est comme des amis quoi. C'est tellement génial. Le cheval, c'est trop génial. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis tellement désolée. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi. Non, vraiment, comme je dis, c'est une super. Ce jeu, la première fois que j'ai joué, la première fois que ma soeur. Enfin, le jeu, le truc très chelou. On a dû j'en foutais un peu. Bah, ça, on m'a dit qu'une fille se suicidait. J'ai eu un crush sur le jeu. Je sais pas, genre, je me suis pas. C'est génial, j'ai trouvé. Waouh, mais c'est génial! C'est tellement cool, ce jeu est tellement. Je sais pas, c'est quelque chose comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme je vous dis, c'est sûr que je vous ferai un let's play. Ou au moins un let's play où je montrerai absolument tout. Déjà je pense que je ferai une autre voix. Genre je ferai pas celle de Natsuki, je pense, que j'ai fait deux fois, celle de Yuri et Natsuki, je pense. Mais je mélangerai les trois s'il faut. Mais ouais, voilà. Donc genre je ferai un truc où je t'écrase sur les fichiers.
pour avoir Traceback et tout là. DLC, trucs comme ça, voilà. Donc c'était une vidéo pas prévue, mais j'espère quand même qu'elle vous a plu. Parce qu'après tout, ça reste une folle expérience de jouer à ce jeu. Si vous avez un ordinateur, enfin qui est le vôtre bien sûr, je vous conseille de télécharger. Il est gratuit, il est sur Steam. Vous avez Steam, vous voyez pas, mais c'est pas grave. Vous avez Steam, vous allez dans la bibliothèque, dans le magasin, vous écrivez Doki Doki. Tu écris Doki, puis tu cliques dessus, puis tu le télécharges. Au début, c'est un peu ennuyant. Puis quand tu arrives à la partie 2, donc quand c'est le suicide, c'est vraiment une expérience de malade. Quoi. C'est un peu comme comme un visual, comme la VR, quoi. C'est vraiment génial, t'as l'impression de vivre une expérience folle, franchement. Des jeux comme ça. Alors, je pars un peu en couille, c'est vrai, c'est pas faux. Mais donc voilà, on se quitte ici. Je sais, c'est un peu triste, mais. La vidéo va arriver dans 1-2 mois. C'est qu'en fait, j'ai un peu la flemme. Ça me gonfle un peu, Gacha Life. Franchement, je trouve en fait, Gacha Life, c'est plus intéressant. Enfin, le Gacha du cours. En fait, c'est bon, tu vas sur YouTube, t'as trop de vidéos YouTube, t'as trop de Gacha Tubeurs en fait qui se rajoutent. Je sais que vous avez détesté là, mais franchement, ça me gonfle vraiment. C'est chiant. Du coup, genre, regarde, tu veux juste savoir si je reviens sur Mini Neko comme j'ai parlé. Mini Neko, genre, je dis, sa vidéo, ça, c'est vrai, ça devient de la merde. C'est de n'importe quoi. Je sais que tu pars un peu en couille parfois, tu fais une série, mais voilà. Je sais que je suis partie en couille quand j'ai fait la première série aussi, mais voilà. Je me suis. Après, je me suis quand même rattrapée. Ah, c'est vrai que ça part toujours en couille. J'ai même prévu de faire une saison 2 sur plusieurs trucs, et franchement, voilà. Quand je dis, tu pars forcément en couille. Je veux dire, après, quand tu vois que ça part vraiment en couille, l'histoire, quand je dis, l'histoire, c'est mon frère un psychopathe, c'est pas je suis mon frère et nos potes sont des psychopathes. Non, c'est pas ça le truc, ça n'a rien à voir avec ça. Franchement, je trouve ça un peu triste. Genre, la preuve, par hasard, il faut qu'il bute quelqu'un et il faut qu'il me nappe. Waouh, comme par hasard. Il faut que l'inspiration, c'est toujours comme ça dans tous les trucs, en fait, voilà, les gâches-là, en fait, c'est ça. C'est sûr, s'il prend les séries là, tout le temps utilisées. The Hated Chat, The Spotted Brat, tout comme ça. Vous pouvez faire un truc différent, genre pourquoi est-ce que la poirée gâtée c'est forcément une poirée gâtée et pas un poirée gâté. Je me rappelle qu'il y a aussi des mecs qui sont poirées gâtées, je parle totalement en couille comme j'ai dit, mais bon. C'est qu'en fait c'est un peu triste. J'ai l'impression que la YouTube se transforme en gâchatube. En fait, regarde, tu as vu la YouTubeur, même Cara, qui est une YouTubeuse que j'aime bien pour son humour et tout, qui fait des vidéos dessus. Regarde, il y a Marie, il y a Sora, il y a Fried bientôt qui va s'y mettre et tout. Je trouve ça un peu ennuyant en fait. Genre après, là, on est passé de. Genre c'était bien, puis un petit peu on est passé à Fortnite, puis maintenant on passe à Gacha Life. C'est un peu nul franchement. Ouais, si vous tentez de faire une chaîne Gacha, je vous déconseille. Là, vous allez galérer comme moi. Mais surtout, si vous aimez bien ce jeu, je pense gardez-le pour le ou mettez des vidéos en privé, un truc comme ça. Parce que j'ai beaucoup aimé faire ce jeu. C'est bon. J'ai beaucoup aimé faire ce jeu et j'espère que ça vous a plu, la bonne fin. La vraie fin. Et bah. Dans la prochaine vidéo, à plus.